ils ont tué le chat. Salut à tous, c'est Monsieur de Tsuki. Aujourd'hui on se retrouve sur Ninecat Lost in Space. La version Steam vient de sortir, donc le jeu était déjà disponible sur iOS et navigateur. Mais là on a une version, une version HD, hein. Moi je trouve que le jeu est vraiment plus beau. Et on va découvrir le jeu ensemble. Alors on va déjà créer notre Ninecat. Donc voilà, on peut l'éditer, on peut changer la couleur de son corps, on peut changer sa tête, on peut changer son arc-en-ciel qu'il a derrière ses fesses. On peut changer quasiment tout. Donc ça c'est assez sympathique, on peut changer quasiment tout de notre Ninecat. Et on va se faire plaisir, allez c'est parti. Ça y est, on a fait notre Ninecat. Alors on l'a fait un petit peu à la portugaise, tu vois, avec la petite clope, le monosourcil, la coupe, tu vois. Un vrai portugais, j'ai gardé quand même le truc Ninecat pour rester un peu dans Ninecat. Et maintenant on va aller tester notre portugais. Allez c'est parti, on va aller faire un petit classique, on va tester le classique déjà. Allez, ouais, change world, what, il y a plein de worlds aussi, d'accord. Ouh, il y a même un world avec Mario, d'accord. Allez, on fait space, let's go. Let's go. Alors, le principe, je sais pas ce que c'est. Ah si, ramasser le maximum de choses. Alors, les touches sont assez simples, hein. Espace pour sauter. Ouais, let's use the music. Bon, c'est un jeu assez simple. Mais j'espère que la difficulté va monter. 100 mètres. C'est la fiesta. Allez, pour notre petit portugais là. Let's go, c'est parti. Oh, il y a un truc Superman là. Ouh, 200 mètres. Merde, je me suis fait attaquer. Je perds tout. Non. C'est qui lui? Nine-Nine. C'est mon ennemi. Ouais, Rocketman. 400 mètres. Oh, ça commence à devenir un peu plus difficile. On monte un peu. En fait, ce jeu est tellement simple. Putain, je me rappelais pas qu'il était aussi simple. On va tester le niveau Universe. Let's go. What? C'est quoi ça? Ça me lance direct dans le... D'accord. Ah, plein d'amour et de beauté. Je vous aime tous. Ce qui est surprenant, c'est quand même le mec qui a créé ce jeu. Bon, il a pris Ninecat, c'est connu, hein. Mais faut vraiment être barjo pour faire un jeu comme ça, quand même. Oui, oui. Tintin, bon, en gros là je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est le même niveau que tout à l'heure. Ah, j'ai du temps, mince. D'accord. Il faut que je récupère des batteries, c'est ça? C'est ça. Et je suis mort. Houston, we have a problem. Yes. Ok, wesh ma poule. Donc on fait 185 mètres, ok. Alors là, on va faire un petit tour dans la boutique et on va acheter... Allez, je vous aime tous. On va acheter le Love Pack. Ah oui, le Love Pack. C'est parti, yes, we did it. Oui.
What? Je comprends pas ce qu'il faut faire. Quand j'appuie sur espace, ça augmente le temps. Ouais, toboggan. Ouais, ça va être tellement simple. C'est nul. Je sais pas à quoi il sert ce mode. Oh putain, ça va trop vite là. Oh là là, là oh mes yeux, mon dieu. Ouh, là je suis, oui. Planète 2. Je deviens fou, putain. D'accord, je crois que le chat en bas, il doit nous rattraper. Hein, je viens peut-être de comprendre, ou pas. Allez, on continue là. Ok, j'arrête de chanter. Ouh là 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 là, c'est plus difficile là. Je me suis éclaté. Hop. Je sais pas, là, c'est l'impression d'être que des toboggans. Yes. Oh putain. On est bientôt arrivé. Oui. Putain, cette musique par contre a fait mal aux oreilles à force, hein. Je crois qu'on va arrêter, je vais vomir. Allez, on passe à un autre niveau. On passe au mode zen. Donc on va prendre le world qu'on a acheté. Alors, où est-ce que le world que j'ai acheté? Xmas. Love. Yes. Change world. Love, yes. Zen. On y va, on va en mode zen. Ah, ça doit être un mode où tu peux pas perdre, je crois. Attends, on va voir ça. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Non, en fait, on peut perdre. Faut que je fasse attention. En fait, c'est un mode cette fois-ci, mais sans ennemi, je crois. Ou sans bombe. On va vérifier ça. Le premier ennemi qu'on avait vu, rappelez-vous, c'était à peu près vers les 400 mètres. Nous allons voir ce que nous allons voir. Avec notre petit chat portugais là. Do gato. Je suis mort. Bon, de toute façon, c'est un mode zen. C'était assez simple. Et là, je veux essayer le TAC 9. Le TAC 9, qu'est-ce que c'est ça? Ouh. On est le méchant, c'est ça? Ah ouais, d'accord, on joue le méchant. Et on doit défoncer les chiens. Ok, il y a des toutous à défoncer. Putain. C'est dommage qu'ils mettent pas plus d'ambiance quand même de sonore. Tu vois, t'as le mode disco, mais avec la musique de 9-4 derrière quand même. Allez hop, saute mon petit chat, saute mon petit chat. Oh, une vache, vas-y, mange la vache. Ok. On joue au 9-4 à l'envers en fait. Mais on défonce quoi là? J'ai vu un chien au début, là je vois plus rien. Alors j'ai eu des hallucinations. Superman. Ah non, c'est Dark Nyan. C'est même pas Superman, tu sais, c'est Dark Vador quoi. Enfin, en chat. Non, ils ont tué le chat. Ok. Bitches. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on a une maison à chat. I wanna eat. D'accord, tu veux manger. On peut lui acheter du lait. On lui achète du lait. On peut lui acheter des peppers. On peut lui acheter ça, on va le nourrir. Tiens, du gâteau pour toi. Oh, t'as faim, hein. Bon, gros, on peut nourrir son N4. Bon, ça c'est super facile. On peut le faire dormir, voilà. C'est assez bête. Et donc, on a un magasin où on peut acheter différents thèmes. Voilà, c'est pas avec notre argent, c'est avec l'argent que vous avez dans le jeu. Donc ça, c'est assez sympa. On a même le 9 Wars. Tiens, je vais le télécharger pour moi. T'as même le Nyan Wood. Et pour finir cette vidéo, en grand fan de Star Wars, on va faire un petit niveau Star Wars, non? Ça vous dit pas? Ça vous branche pas? Bon, allez, si ça vous branche,
C'est parti, on part sur Star Wars. Alors, Star Wars, Star Wars, où es-tu, Star Wars? Let's go. Et on va faire le plus possible. Enfin, vous allez dire quelque chose qui n'est pas français. On va essayer de faire le plus gros score. Je préfère quand même cette version là que la version iOS ou la version navigateur. Mais c'est un grand mais, c'est que vous jouez sur PC portable ou PC fixe, c'est pas trop l'utilité pour un petit jeu comme ça. Donc c'est sûr que sur iOS il y a plus d'utilité. Voilà, vous êtes dans les transports en commun, vous pouvez vous faire plaisir. C'est sûr que pour là, pour l'heure, c'est vraiment pour passer le temps. Je vais pas passer 500 heures dessus, hein. Voilà, je me suis fait tuer. Comme une merde. Oui, je suis une merde. Enfin, mon chat, c'est une merde. Et c'est fini pour aujourd'hui sur cette vidéo, sur Ninecat Lost in Space. Donc c'est assez rapide. Vraiment, c'était pour vous faire découvrir un jeu qui était déjà sorti sur iOS et sur navigateur, et en version Steam un peu plus améliorée. Donc moi, j'ai kiffé personnellement, mais par contre, la musique te rend zinzin assez rapidement. Et ça... Vraiment, c'est le point négatif du jeu. Mais c'est un bon jeu pour se défouler. Il vaut 2-3€ sur Steam. Ça vaut vraiment le coup. Oui. Pas besoin de crack un jeu comme ça. Vu le prix, autant l'acheter. Allez, c'était Isotsuki sur Ninecat. Un jeu qui rend complètement fou.